Les pièces ont été choisies pour avoir tout un rapport avec la nature et aussi pour être toutes des pièces originales composées pour orchestre d'harmonie. Ce ne sont pas des arrangements, ce sont vraiment des pièces originales et inspirées donc par la nature de façon très différente d'un compositeur à l'autre. Ce n'est pas très original pour un artiste d'être inspiré par la nature. Les œuvres sont multiples dans tous les domaines depuis que l'art existe, c'est ce qui nous entoure. Cette première pièce qu'on a entendue, Hammerland, illustre, s'inspire pour le compositeur Jacob de Haan de la région de Hammer. C'est au sud de Munich, c'est au sud de l'Allemagne. Et c'est un paysage de collines, de forêts, de prairies et de lacs. Une région pastorale, donc avec de l'agriculture, des champs de fleurs, un endroit très paisible.
Et c'est ce que le compositeur a voulu retranscrire dans Hammerland. La pièce suivante, dans la pièce suivante, l'inspiration est tout à fait différente. Il s'agit de Jungle, donc la jungle. Et là, le compositeur a pas simplement voulu retranscrire ce que lui inspirait la jungle, il a voulu tout simplement être les bruits de la jungle dans l'orchestre. Voilà. Donc vous allez entendre, dans le désordre, des serpents, des oiseaux, peut-être des singes, des éléphants à coup sûr, et d'autres diableries. Alors là, c'est la jungle jusqu'au cliché hollywoodien. Hein. Y aura des tribus plus ou moins pacifiques, et puis des tribus apparemment moins pacifiques au tambour menaçant. Voilà, je vous souhaite une bonne écoute de Jungle de Thomas Doss. Thank you.
la seule pièce du programme qui n'est pas tout à fait inspirée, pas du tout inspirée de la nature, je ne sais pas, pas tout à fait, pas du tout. Oblivion, un tango de Piazzolla, interprété au saxophone soprano par. Ah ouais. Non, c'est tout, c'est bon. Thank you.
après ce moment de calme bienvenu, nous revenons aux compositeurs inspirés par la nature, et cette fois-ci par la puissance destructrice avec Maelstrom de Robert Smith, je crois, c'est ça? Oui, c'est ça, Robert. Donc, alors, cette fois-ci, un premier compositeur qui est inspiré, qui voulait nous faire ressentir un petit peu le calme et la sérénité d'un paysage. Après, on est donc Jungle, qui était brutiste, avec les vrais bruits de ce qu'il imagine qu'on entend dans une jungle. Là, c'est déjà un petit peu plus éloigné. Si on nous disait pas que c'était inspiré de la nature et que ça représentait un maelstrom, on l'entendrait peut-être pas. Comment il va faire ça? Donc, une histoire de tourbillon, des motifs qui se répètent en boucle, et puis une puissance qui monte progressivement, un tout petit peu quand même, de manière plus subtile que dans Jungle, jouer aux instruments, des gouttes de pluie qui sont faites parfois, et jusqu'à un final qui tourbillonne jusqu'à l'effondrement. Voilà, Maelstrom de Robert. Thank you.
approche déjà de la fin, malheureusement. Mais la dernière pièce n'est pas des moindres, c'est la plus longue. C'est aussi la plus ambitieuse du programme. C'est même celle qui a donné son nom au concert, puisqu'il s'agit simplement de Pastorale symphonique de Jacob de Hamme. Alors le concert, on a dit Pastorale harmonique, parce que c'est l'orchestre d'harmonie. Mais, et d'aucuns vont dire, pourquoi est-ce qu'il a appelé ce morceau pastoral symphonique, alors que c'est pour un orchestre d'harmonie? Est-ce qu'il se serait trompé? Est-ce qu'on aurait oublié les violons? Eh bien non. C'est plutôt en référence aux méthodes de composition, aux procédés d'écriture, et à la structure de la pièce, en trois mouvements, donc comme peut l'être une symphonie. Et surtout à sa puissance, en fait, tout simplement. C'est comme ça que je le ressens, en tout cas. La pièce est parcourue par un thème unique qui crée la musique de chaque mouvement et qui, dans chaque mouvement, après sa première présentation, va subir des transformations. Alors, le compositeur met ça en rapport avec l'interaction entre la nature et l'homme, c'est-à-dire comme si ce thème, d'ailleurs emprunté à Jean-Sébastien Bach, représentait une sorte de pureté presque naïve, et qu'ensuite, sous l'influence de l'homme, cette chose se trouvait transformée. Et donc, dans chaque mouvement, on a ça, avec des procédés de transformation toujours différents et qui vont vers plus d'agitation et plus de chaos. Voilà. Alors l'année dernière, j'avais fait des pièces, le directeur m'avait demandé de faire plus simple et pas trop lourd, quoi, et ben, j'ai pas réussi, désolé. Donc, en fait, on n'est pas obligé de savoir que, moi je savais pas que la pièce parlait de ça quand je l'ai choisie, sinon la musique est très belle, juste, je vous assure. Donc, Pastorale symphonique de Jacob de Hamme. Thank you.
Thank you.
moi, je ne suis pas la bonne mesure. Moi, vous savez où c'est.